Je suis très très content pour Marine et pour Hugo, quand ils vont pouvoir fonder une famille. Je leur souhaite tout le bonheur du monde, je les assure de nos prières et qu'ils vivent une vie heureuse jusqu'au paradis. Ben, j'ai été très contente pour Marine, qu'elle ait enfin trouvé le bonheur. Ah ben, quand on a su qu'ils allaient se marier, on était vraiment très heureux. Ouais, c'est une excellente nouvelle. C'était une très bonne nouvelle et on était très 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 contents pour Marine qu'elle puisse enfin... construire sa vie avec un homme qu'il aime et qui puisse s'occuper d'Hugo aussi. On leur souhaite ad multos sanos tout le bonheur du monde, d'être aussi heureux que nous. Franchement, je pense que je ne pourrais jamais leur souhaiter rien de mieux que ça. Alors c'est une nouvelle qui s'est insinuée petit à petit parce qu'on voyait un lutin des bois arriver régulièrement à Caen et on s'est dit, il y a anguille sous rocher. Voilà, et donc on s'est très très rapidement réjouis. Et pour ma filleule, je trouve que c'est l'homme le plus parfait du monde. Elle, c'est une petite puce pleine d'énergie, d'affection et d'esprit d'aventure. Et je suis tellement heureuse de l'avoir arrivée aujourd'hui à ce grand pas et prendre le chemin qu'elle va prendre à travers ses champs et ses forêts. Gros bisous, je t'aime, ma petite filleule. Bah, de s'en sortir, mais avec Titou, ça va être un peu compliqué. Donc bon courage à Marine. Hein. Beaucoup de bonheur, mais d'abord beaucoup de courage. Pour Marine. Alors moi j'ai eu le droit à une explication en 4 temps pour le pourquoi je devais accepter d'être son témoin. Donc quand j'ai vu Titus donner tant de mag, je pouvais pas refuser une telle proposition. C'était une joie et puis un honneur pour moi de pouvoir les marier. Parce que c'était à la fois des fidèles et des amis. Alors j'étais très très, très content et honoré.
qui s'aiment encore et toujours. Et cet amour donc qui donnera donc la fidélité mutuelle. Donc je leur souhaite le bonheur et la paix dans leur foyer. Voilà. C'était une immense joie. C'était l'aboutissement, c'était un autre accouchement. C'était l'aboutissement d'une longue histoire, parce que ce sont des amis d'enfance qui se sont retrouvés. Ils sont baptisés, ils ont été baptisés dans la même paroisse en fait que tous les deux, par le même prêtre qui nous a mariés. Vive les mariés! Les points qui, à mon avis, sont vraiment caractéristiques de Marine Alix. Il y a un certain nombre de gens ici pour lesquels les visages, les voix sont familières à Marine Alix. Et je tenais ce soir, en tout cas, à vous remercier parce que cette joie, elle est partagée par tout le monde. Je suis tout à fait conscient que la grande moitié des gens qui sont devant nous pourront, en tout cas, dans les heures ou dans les jours qui viennent, se rendre compte qu'effectivement, cette joie naturelle et spontanée, c'est vraiment un des points caractéristiques de Marine Alix.